Bonjour, ici Brother Fusion. Donc, je viens vous faire une petite présentation de la nouvelle série que je vais faire sur la chaîne. Donc, la recherche du spécimen. Donc, le premier spécimen que je vais venir chercher, c'est le silure. Donc, ici, il y a en 2007, dans ce qui c'est, deux silures, un mâle, une femelle, qui faisaient à peu près 1m20, 1m30. Comme on a vu, là, il doit être pas loin des 2 mètres, je pense, les deux silures. Donc, comment j'ai lancé l'idée, c'est parce qu'il y a une ou deux semaines, j'ai un collègue qui est venu pêcher ici. Il pêchait à la carpe tranquillement et justement, il a cassé sur un beau silure de mesurer 1m20, il m'a dit, à la carpe, à quelques mètres du bord. Donc, il l'a vu. Donc, ça m'a donné envie de venir tester de le faire. J'ai pris ma canne de mer que je pêche habituellement, donc c'est 4m50 en puissance. C'est, je peux lancer des poids de 150 grammes jusqu'à 200 grammes. Dessus, c'est un brin. Dessus, c'est du fil en 35 centièmes d'une résistance de 13 kg. Donc, dessus, j'ai mis un clip plomb avec un plomb de à carpe de 70 grammes. Donc, je peux bien lancer loin. Donc j'ai lancé par là, je sais qu'il y a une fosse d'à peu près 5-6 mètres de profondeur. Donc je pense que j'ai réussi à lancer dedans. Mon hameçon, c'est frolique. Donc j'ai fait un sac soluble, j'ai mis des froliques comme ça, des morceaux de frolique cassés. J'ai mis aussi des petites bouillettes fiches cassées en morceaux. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux encore expliquer? Donc à chaque fois que je viendrai à la pêche ici au Grand Lac du Pitouc, je ferai une vidéo complémentaire de la vidéo session pour vous expliquer ma pêche au silure que je vais faire aujourd'hui. Donc quand je remonterai après, je vous prendrai en vidéo mon montage pour bien vous montrer comment je fais le montage et tout. Donc je pense que la prochaine fois, je vais tester avec des gros vers de terre enfilés sur l'hameçon. Donc l'année dernière, à la place, tout là-bas au fond, je pensais d'en avoir un, déjà cassé sur un, parce que l'hameçon était coupé en deux. Donc, c'est rare que ça arrive quand même ça. D'habitude, c'est le fil qui casse. Voilà, c'était l'hameçon qui a coupé en deux. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter encore, Valentin, sur la traque au silure? Donc, tu dis qu'il y a un couple, mais ils sont reproduits. Ils sont reproduits depuis le temps. Depuis 2007, ils sont mis. Donc je sais que l'année dernière, quand ils ont empoissonné, les poissons qu'ils ont empoissonnés, ils étaient malades. Et je sais que ici, il y avait tous les poissons, ici, ils étaient tous au bord sur les 10 premiers mètres. Et il y avait beaucoup de pêcheurs qui venaient carpe au cou, parce que ici, dans ce lac, il y a énormément de belles carpes. Donc qui venaient carpe au cou. Je sais qu'il y a un pêcheur qui avait remonté un petit silure de 3 kg, je ne me trompe pas, 3-4 kg, et l'a remis à l'eau. Donc je sais aussi, j'avais entendu parler vers l'année 2010-2011, un pêcheur là-bas en face, il avait fait un silure au ver de terre. Pas un gros non plus encore, mais du petit, donc c'est la preuve qu'ils sont reproduits les silures. Donc normalement, je pense qu'il doit avoir un bon 200-300 silures ici, peut-être plus, peut-être moins, je ne saurais pas vous le dire encore. Donc tout le temps que j'aurai pas remonté un silure, la série continuera. Et dès que j'aurai fait un silure, il y aura toujours à la recherche du spécimen, mais ça va changer de poisson. Donc je pense que le prochain poisson que je vais traquer comme ça, ça va être l'esturgeon. Donc ici aussi, il y a des esturgeons ici. Dans ce lac ici, je sais que le plus gros qui était sorti, c'est pas loin de 20 kg. Ils ont été mis il y a quelques années parce que l'été ici, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'algues. C'est abusé. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi ce premier épisode de la série, en espérant que vous serez nombreux à suivre cette série. Merci à vous tous. Donc voilà, je vais expliquer mon montage que je pêche sur le silure. Donc clip long, plomb de 70 grammes. Donc voilà, monté en coulissant. Celui-ci c'est fort encombré. Un émerillon. Un bas de ligne avec de la tresse, donc c'est du 35 lbs avec un frolique sur le cheveu. Donc voilà, on va un morceau. On va aller la remettre.
Voilà. Tu pourras couper la Donc voici le montage que Romain utilise pour le suivre.